Aujourd'hui, on se retrouve sur un grand lac du nord-est de la France. On va y passer une petite semaine, espérer de faire un fish dans ces eaux qui sont assez froides et ça risque d'être très compliqué, mais on y croit, sinon on ne serait pas là. On va partir sur un amorçage assez light, pêcher la pleine eau. Et vu que le lac est bien monté, presque au taquet, comparé à il y a un mois où il était très bas, il était au moins 3 mètres là en dessous, on va voir si la pleine eau ou les bordures marchent, on aura de quoi faire et il y aura beaucoup à faire même. Présenter un poisson qui fait du bien au moral, surtout après une dure journée hier où j'y croyais plus trop. J'avais prévu de bouger tôt ce matin, aller voir un autre secteur si je pouvais essayer de faire un ou deux fiches, mais là je crois que je vais encore rester une ou deux nuits parce que ce poisson est quand même joli. Je vais vous le présenter maintenant. Poisson massif, une grosse combattante, de belles écailles, ça fait vraiment plaisir. Surtout à cette période froide, une eau à 4 degrés, que du bonheur. Là je suis reboosté à fond, on va trouver de nouveaux spots et essayer de faire encore un poisson de la même taille. Alors, il fait froid, Max? Un petit peu. Je suis gelé. Belle fichée là. C'est l'important. Allez, on va la relâcher. J'ai relâché cette magnifique miroir. Pris sur un spot en pleine eau où il y avait un herbier au milieu de nulle part. La canne était échée d'un bonhomme de neige. Une Pacific Tuna 15 mm accompagnée d'une Golden Spice. Le tout accompagné de pâtes Bélachan. Une poignée de chenvi, une poignée de bouillette. 48 heures de pêche sans y toucher. Et le résultat est là. Une magnifique miroir. Maintenant je vais la relâcher, j'ai les mains congelées. En espérant la reprendre un jour.
vraiment un magnifique poisson. Ça caille. Il y a eu la pêche en hiver. Il y a une chose que j'apprécie particulièrement tout au long de l'année, mais surtout à la période froide, ce sont les pattes d'enrobage. Ici, j'ai emmené du bélachon en bloc avec moi, que j'ai malaxé jusqu'à avoir une pâte collante, puis entouré mon éche avec, comme ceci. On peut l'utiliser d'autres façons, par exemple en le râpant et en le mettant tout simplement dans des sticks ou en le mélangeant avec de la morse, mais aussi en le mettant sur un plomb. Comment te sens-tu après la capture d'une mouette? Ah, merveilleusement bien. Voilà, la fin de session approche. Ces dernières 24 heures, j'ai changé une quatrième fois de poste et je me suis mis au fond d'une baie qui abritait depuis une semaine des vents, des gros vents qu'il y a. L'eau est un peu plus chaude par rapport à tout le reste du lac, donc j'espère que quelques poissons sont venus s'y mettre à l'abri. En tout cas, c'était une semaine assez difficile, comme dit, des gros vents pendant une semaine non-stop avec beaucoup de grosses rafales. Le froid bien sûr, la pluie et même une nuit où il a bien neigé, mais j'ai sauvé le capot, j'ai fait un poisson et un très beau poisson, donc ma pêche est déjà sauvée. Maintenant on va espérer en faire un autre cette nuit, ça serait cool, mais bon, on verra. Let's